Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de Temps d'un Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le Faucon Millenium de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 45, le 46 et le 47. Mais avant de commencer les amis, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Allez c'est parti! Alors, présentation des pièces de ce numéro 45. En 1, nous avons la plaque de la coque identifiée BP30. Encore une fois, gros morceau. Donc ici, on voit l'identification BP30. Alors ensuite, en 2, nous avons unité mécanique extérieure. Donc on retrouve la même pièce qu'on avait eue précédemment. Voilà. Alors en 3, tuyau de décoration. En 4 et en 5, renfort de décoration gauche et droit. En 6, ailette extérieure. En 7, boîtier extérieur. Et en 8 et en 9, nous avons de nouvelles grappes. Et bien on passe au montage. En première étape, on va récupérer donc notre pièce 2 et on aura besoin de la grappe. La plus petite, c'était la numéro 8. Et on va refaire ce qu'on avait fait donc dans le numéro précédent, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va redégrapper tous les détails et refaire cette pièce-ci. Et bien écoutez, je dégrappe tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, les pièces sont dégrappées et mises donc dans l'ordre. On retrouve exactement donc les mêmes pièces, la seule différence c'est pour la dernière. Alors comme c'est exactement le même montage que dans le numéro 44, je vais faire ça en vitesse rapide, on verra ensemble que la numéro 8. Allez c'est parti. Donc voilà, ça y est, les pièces sont collées. Donc voilà ce que ça donne. Et donc il va nous rester la pièce numéro 8 à mettre. Elle va venir juste ici. Donc ce sera là. Elle est un petit peu différente de celle qu'on avait eue précédemment. Et bien on va voir ça tout de suite. Alors, on va se mettre dans ce sens-là. Donc on voit ici, on a une arête. Et donc cette petite pièce, vous voyez, il y a une arête également. Alors, l'arête, il faut qu'elle soit placée comme ceci. Vous allez voir, de toute façon, il n'y a pas, normalement, il n'y a qu'une seule solution. Voilà, là on est pas mal, et pour maintenir le tout maintenant on va mettre un petit peu de colle, et voilà qui est fait, et voilà ce que ça donne. Vous voyez le petit détail ici, il doit être du côté de cette pièce là. Et donc voilà ce que ça donne les amis. Vraiment nickel. On va les mettre de côté. On s'en servira plus tard. Et donc autrement, comme pour l'autre fois, cette pièce est à conserver
pour plus tard. Vous voyez, j'ai la première grappe ici. On retrouve donc les mêmes pièces pour l'instant à mettre de côté également. Et bien, on passe à la suite. Alors maintenant, on va mettre le détail sur le boîtier extérieur. Et on va récupérer du coup la deuxième grappe. Alors, on va commencer par dégrapper la pièce 1 et la 2. Et bien, c'est parti. Voilà qui est fait. Et on va venir donc les positionner. Donc on voit ici qu'on a une forme de demi-lune. On va faire correspondre comme ceci. Et même chose de l'autre côté. On voit, ça s'emboîte parfaitement. Et bien on va mettre un petit peu de colle. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir dégrapper la numéro 3 et la numéro 4. Voilà qui est fait. Et donc celle-ci, on va venir les positionner. Donc on voit, on a un trou ici, un autre petit trou ici. Donc voilà, comme ceci. Et on va faire la même chose l'autre côté, comme on l'avait fait avant. Ça se positionne nickel. Et bien écoutez, même chose, on va mettre un peu de colle. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va dégrapper la pièce numéro 5. Donc c'est celle-ci. Voilà qui est fait. Et on va venir donc la placer ici, voilà. Comme ceci. Et bien écoutez, place au collage. Et voilà qui est fait. Et donc voilà ce que ça donne. Alors sur la grappe, on peut voir qu'il nous reste une pièce ici, une ici, et on a deux ici, donc à conserver pour plus tard, et du coup à conserver également ces deux pièces ici, et comme la dernière fois on retrouve ces deux pièces qu'on avait conservées également dans le numéro 44. Et ce sera donc tout pour ce numéro 45, on passe tout de suite au numéro 46. Alors, présentation des pièces de ce numéro 46. En 1, nous avons tourelle du quadrilaser, donc grosse pièce identifiée BP2. Voilà. Ensuite, en numéro 2, nous avons le cadre de la fenêtre de la tourelle. En 3, support de fixation de la tourelle. Ensuite, ici, nous avons tous les éléments pour nous faire donc le nouveau canon laser. Donc, ça va aller de la pièce numéro 4 à la pièce numéro 9. Donc, nous avons plaque de montage gauche, plaque de montage droit, arcade de montage, support du laser inférieur, support du laser supérieur. Et enfin, en 9, canon du laser x4. Donc, elles sont ici. Et ensuite, nous avons des sachets avec des nouvelles vis. Et ben écoutez, on va passer au montage. Et donc voilà, dans ce numéro, on va enfin commencer à assembler donc les différentes pièces de la coque. Et ben écoutez, c'est parti. Alors on va commencer par récupérer la structure. Alors juste avant de commencer, il nous informe que dans le numéro 54, on aura 4 vis comme celle-ci qu'on peut positionner donc sur la structure pour pouvoir la mettre dans l'autre sens. Et que si on n'a pas envie de patienter jusqu'au numéro 54, on peut aller acheter des vis de 65 mm de long ou plus. Donc là, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi vous ne les mettez pas directement dans ce numéro-là. Comme ça, on n'aurait pas besoin d'attendre et on pourrait les mettre tout de suite. Donc
Normalement, elles viennent ici, là, là et là, ce qui permet de retourner plus facilement la structure. Alors, première étape, voilà. Donc, on va venir ici et on va commencer par récupérer la pièce identifiée BP01. Donc, la BP01, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, là, on a la rampe d'accès. On va venir donc juste en face. On va venir la positionner tout de suite. Voilà, comme ceci. Donc, je me suis rapproché. Donc ici, on voit nos différents emplacements pour nos vis. Et je vais essayer de vous montrer, avant de visser, assurez-vous d'être bien le plus possible bord à bord avant de commencer à visser. Là, on est pas mal. Et bien écoutez, c'est parti. Donc on va mettre les vis, les petites vis épaulées chromées, comme celle-ci. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va venir placer le morceau identifié BP10. Et on va venir se situer de ce côté-ci. Donc voilà, j'ai repositionné donc plus vers moi. Et on va vraiment être dans ce secteur-là. Alors, on prend notre pièce. Et on va venir la positionner. Là, on n'est pas trop mal. Donc, comme tout à l'heure, il faut vraiment que toutes les pattes soient positionnées à fond avant de commencer à mettre les vis. Donc là, on est pas mal. Donc, je me rapproche. Donc, vous voyez, on est vraiment au bord. Hein. Il faut être le plus possible au bord à bord. Et on voit ici, celle-ci dépasse. Pour plus tard, je pense que ce sera important. Et bien, écoutez, on est pas mal. On va mettre du coup les vis. Et voilà, comme ceci. Alors, petite précision, c'est la patte qui dépassait. Faut pas mettre de vis pour le moment. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, on va venir placer la pièce identifiée ici, la BP09. Donc elle est comme ça. Et elle va venir juste à la suite ici. Voilà, qui est fait. Donc on est bien bord à bord partout. Et ben même chose, on va mettre les vis. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va venir se situer sur cette zone-là et on va avoir besoin de la plaque identifiée ici, la BP11. Et on va venir donc la positionner à la suite comme ceci. Donc on vient se positionner. Comme ceci. On est pas mal du tout. Alors, je vais me rapprocher. Et donc, on va maintenir avec nos vis ici, ici, là et là. Et bien, c'est parti. Et voilà qui est fait. Donc j'avais aussi celle-ci et celle-ci. Elles étaient un petit peu
décalés, donc il a fallu bien les réemboîter avant de visser. Et voilà, maintenant c'est impeccable. Et donc voilà ce que ça donne. Et bien on passe à la suite. Alors maintenant, on va venir se situer ici et on va prendre la plaque identifiée BP12. Donc le numéro, il est ici. Et donc voilà la pièce. On va venir juste à la suite, comme ceci. Voilà, impeccable. Et donc on en aura une ici, une là, une là, une là, une là. Et je pense qu'on est bon. Et celle qui dépasse ici et ici, il ne faudra pas mettre de vis pour le moment. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, étape suivante, ils nous disent de juste vérifier que la niche va venir se positionner correctement. Donc c'est celle-ci. Hein. De toute façon, vous verrez, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y en a qu'une qui se positionne correctement. Là, vous voyez, ça ne va pas du tout. Parce qu'elle va venir se placer ici. Et donc, hop. Là, on voit que c'est impeccable. Donc, on aura 1, 2, 3 et 4 vis à mettre. Et pour l'instant, ils nous disent de ne pas le faire. Donc, c'était juste pour voir que tout s'emboîtait correctement. Alors maintenant, on va prendre la plaque BP8. Et on va venir à la suite entre la juste à côté de la 9 et de la 11. On vient se positionner comme ceci. On voit que ça se présente bien. Donc, comme d'habitude, on enfonce bien le plus possible. Voilà. Les ergots comme ceci. Et puis, bah, même chose, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis à mettre. Et bien c'est parti. Voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir se situer juste ici et on aura besoin de la plaque BP07. Alors on va venir juste à la suite. Et donc, on va devoir mettre ici cette fois-ci une, deux, trois et quatre vis. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va venir continuer par ici et on va prendre le morceau BP06. On va venir le positionner donc juste à la suite comme ceci. Donc on a une, deux, trois, quatre, cinq, six vis. On va faire pour l'instant, on va venir mettre juste les deux ici. Voilà, comme ceci. Et avant de mettre les autres, on va venir placer le morceau identifié BP04. Je sais pas si vous verrez bien, il est juste ici. Voilà le 4. Donc, c'est ce morceau là. On va venir le placer juste à la suite, comme ceci. Donc, même chose, on essaye de bien rentrer. Voilà. Toutes les pattes comme ceci. Et même chose, alors vous voyez, hop, on n'est pas tenu. On recommence. Et la même chose, on voit une ici, et je vais peut-être rajouter une juste ici pour le moment. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis une vis ici, une ici pour le moment, et celle-ci, je l'ai pas beaucoup serrée. Et ce qu'on va faire, on va venir mettre la suite avant de serrer tout l'ensemble. Alors maintenant, on va venir positionner la plaque BP5. Donc, on va venir à la suite comme ceci. Voilà, tout s'est en place. Nickel.
Et même chose, on va maintenir avec les petites vis et pour les chromer. Voilà, pour l'instant, j'ai juste placé quelques vis pour maintenir l'ensemble. Je vais mettre les vis partout, j'en ai pas mis, et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis les vis partout, j'ai juste laissé ici pour avoir un petit peu de jeu si jamais j'ai besoin pour pouvoir aligner la dernière pièce sur l'ensemble de la structure. Et ben, c'est parti, on va la mettre tout de suite. Donc c'est la pièce identifiée BP03, donc, c'est celle-ci. Donc elle va venir à la suite comme ceci. Voilà, on est nickel, et du coup ça nous fait une, quand ça dépasse, vous le comptez pas maintenant, donc on en a 1 2 3 4 5, du coup il reste 6 vis. Et ben c'est parti, et donc voilà qui est fait, et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir positionner la niche bâbord pour voir donc si les pattes de fixation se positionnent bien. Alors, je vous montre ici, on est bon, et ici, on est bon. Alors, pour la prochaine étape, on aura besoin du morceau BP26, également du morceau BP25 et aussi le numéro BP24. Donc voilà la pièce. Alors on va commencer par prendre le morceau BP25 et on va venir juste à la suite comme ceci. Alors on va venir le positionner. Voilà, comme ceci. Et pareil, pour le moment, je vais juste mettre une vis ici et une vis ici pour le maintenir. Donc voilà, j'en ai mis une ici et une ici. C'est juste pour pas que la pièce tombe. On va venir placer la suite. Et voilà, qui est fait. Alors maintenant, on va venir juste à la suite ici. Et on va prendre notre pièce BP24. On repère ici l'angle droit qui va venir correspondre à l'angle ici. Donc on vient se placer comme ceci. Et là, tout s'emboîte parfaitement. Et ben on n'a plus qu'à mettre 4 vis. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, pour la prochaine étape, on va avoir besoin de notre pièce BP22. Donc on va venir la positionner donc à la suite. Voilà, comme ceci. Même chose, on fait attention que toutes les petites pattes se positionnent bien. Là, on est pas mal. Et pour le moment, je vais les maintenir avec une vis ici, une ici et peut-être celle-là aussi. Voilà qui est fait. Donc pour l'instant, j'en ai mis une ici, une là et une là. Alors maintenant, donc c'est pour ça que j'ai pas mis les vis juste devant, on va venir positionner la pièce BP21. Donc là, il va bien falloir la faire passer en dessous comme ceci. Et après, on vient placer les petites pattes de fixation. Donc là, on est pas mal. Et on va pouvoir maintenir. Donc il restera à mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il restera à mettre 6 vis. Et là, c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, à la suite, on va prendre notre pièce BP19. Qui va venir se positionner. Alors que je repère bien les trous. Voilà.
On va venir se placer comme ceci. Cette petite patte là, voilà. Tout est nickel. Et avant de commencer à mettre les vis, juste à côté, on va prendre notre morceau BP17 qui va venir à la suite. Voilà, comme ceci. Comme lui, il a un petit peu plus de mal à tenir. Je vais mettre quelques vis pour qu'ils tiennent. Et maintenant, à la suite, on va prendre la pièce BP20. Elle va venir ici. Là. Elle vient se positionner comme ceci. Voilà, il faut bien... À cet endroit-là, il faut bien qu'elle vienne plaquer les deux morceaux contre la structure. Voilà, là, on est nickel. Et du coup, on va avoir pas mal de vis à mettre là cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même 10. On en a 10 à mettre. Eh bien, écoutez, je fais ça et on se retrouve juste après. Et voilà qui est fait. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, prochaine étape, on va venir se situer ici. On va avoir besoin donc de récupérer cette pièce, donc la BP23 qu'on avait mis de côté, et on va venir donc la positionner à la suite comme ceci. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 vis pour maintenir le tout. Pour l'instant, j'ai mis que les deux premières, j'ai gardé celle-ci. On va prendre maintenant, pour mettre la suite, les pièces identifiées BP18. On va venir se placer juste à côté. Et donc, même chose, je vais pouvoir cette fois-ci mettre, je vais mettre celle-ci et celle-ci. Allez, c'est parti. Voilà, qui est fait. Et donc maintenant, on va décaler un petit peu et on va venir positionner le dernier morceau donc, qui était identifié BP16. On vient à la suite. Donc là, on va pouvoir mettre toutes les vis. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et bien on continue. Donc maintenant il va nous rester deux éléments pour venir compléter cette dernière partie. Alors il nous reste le BP14 et le BP15. Alors on va commencer par venir placer le BP14 comme ceci. Positionné, on va venir placer tout de suite aussi le dernier morceau. C'est juste qu'il vient de se placer, voilà, comme ceci. Il reste plus que la petite patte ici, là. Voilà, tout est bien emboîté, et du coup on va maintenir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin il y a au moins une bonne dizaine de vis à mettre. Et bien écoutez, je les mets et on se retrouve juste après. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some... Et voilà, qui est fait. Donc voilà, ça y est, on a mis tous les éléments en place.
Bon, je vais la retourner pour qu'on voit le résultat. Avant, je vais vérifier que j'ai pas oublié une vis et que tout est bien serré. Et on regarde ensemble ce que ça donne. Et donc voilà, je l'ai retourné. Et regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Regardez par rapport à ma main. Elle va être énorme cette maquette. Faites attention avant de le retourner, hein, comme on n'a pas encore les quatre vis. Vous voyez, moi j'ai pris appui sur ma petite boîte à vis et je me suis arrangé, hein, pour que le mécanisme soit dans le vide pour pas risquer des malencontreux accidents de casse. Et ben écoutez, du coup, ça y est, tous les éléments de la coque sont en place et ceci conclut le numéro 46. Et ce que je vous propose, eh ben on passe tout de suite au numéro 47. Alors, présentation des pièces du numéro 47. En 1, nous avons le détail du boîtier arrière. Ensuite, en 2 et en 3, nous avons les caches de train d'atterrissage bâbord et tribord. En 4, détail du boîtier arrière. Et en 5, nous avons éléments de décoration. En 6, nous avons 7 grappes. En 7 et 8, nous avons tiges d'acier et des aimants. Voilà. Et en 9, une autre grappe. Et ben, on passe au montage. Alors, on va commencer par récupérer notre pièce BP28. On va venir donc assembler le support de fixation du missile. Et on prépare déjà la petite colle qui va bien. Alors, ça va venir se situer ici. On voit qu'on a 4 emplacements. Qui vont correspondre donc aux 4 trous qui sont là. On va venir voir si ça se positionne bien. On voit que tout est bien positionné. Là, je vais mettre un petit peu de colle juste avant et on se retrouve juste après. Et voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors avant de passer à l'étape suivante, j'ai récupéré donc le bas du vaisseau. Et cette fois-ci, par contre, je suis allé récupérer, hein, les quatre vis qu'on a dans le numéro 54. Parce que là, il va falloir qu'on le mette dans l'autre sens. Et je ne vois pas comment faire autrement pour pouvoir montrer... être en toute sécurité, j'ai préféré aller les chercher. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Oh, voilà, donc du coup, je l'ai retourné. Donc ici, on est situé sur l'arrière du vaisseau. Et l'avant va être orienté ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner cette pièce. Donc, on voit ici qu'on a cette patte. À mon avis, elle va venir se situer dans ce trou qui est un peu plus gros. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir donc. On regarde ici en appuyant si tout s'est bien enfoncé. Et ensuite, une fois qu'on a bien placé la pièce, on va pouvoir se retourner parce qu'on va visser de l'intérieur. Donc voilà, ça y est, je l'ai retourné. Alors je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Donc on voit ici, ici, là, également ici. Donc tous les endroits, on va mettre nos vis épaulées chromées. Il faut vraiment essayer d'avoir au rabord, comme ceci,
avant de commencer à mettre vos vis. Donc pour prendre son temps, on est surpris à plusieurs reprises là ici pour cette partie là. Maintenant ça n'a pas l'air trop mal et on va pouvoir mettre les vis. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien fixé. Plus qu'à passer à la prochaine étape. Alors maintenant, étape suivante, on va venir se situer donc sur cette zone du vaisseau. On va commencer par prendre cette pièce-là. Identifiée BP31. On va repérer les deux premières pattes qui sont là et on va essayer de s'aligner sur celle-ci. Voilà, une fois qu'on a repéré les deux premières, on va appuyer un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça n'a pas l'air mal. On va prendre l'autre moitié et on va venir la positionner à la suite comme ceci. Maintenant, on va de nouveau se retourner et on va aligner tout ça avant de pouvoir mettre les vis. Donc voilà, ça y est, j'ai retourné la structure et donc on va avoir pas mal de vis à mettre un petit peu partout. Mais bon, juste avant, comme d'habitude, on essaye d'avoir au maximum la patte au niveau du bord. Pas hésiter à bien appuyer. Là, ça n'a pas l'air trop mal. Et bien écoutez, même chose, on va visser tout ça. Et on se retrouve juste après. Et donc voilà qui est fait. Et bien écoutez, le temps de retourner la structure, on va regarder ce que ça donne. Et donc voilà, une fois qu'on est de l'autre côté, regardez ce que ça donne. Ça prend de plus en plus forme et c'est vraiment sympathique tout ça. Je vais essayer de tourner un peu. Voilà pour cette étape. Et maintenant, on va venir en mettre une ici et on mettra l'autre après juste ici. Et ben c'est parti. Alors on va commencer par venir ici et on va récupérer du coup cette partie là, donc la partie plate orientée vers l'avant comme ça du vaisseau, et on va juste venir le positionner. Voilà, comme ceci là, il s'emboîte très très bien. Et bien du coup maintenant on va le retourner et on va fixer tout ça. Voilà, ça y est, c'est retourné. Donc on a des vis un petit peu partout. Encore une fois, on en a une ici, on a une là et une là, une là, une là, un petit peu partout. Donc on fait comme d'habitude, on vérifie que tout est bien positionné. Et puis bon, on va fixer tout ça. Et voilà qui est fait. Et bien je retourne la structure et on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, la structure est retournée et on voit le résultat. Donc c'est cette partie là qu'on vient juste de mettre. Il restera plus qu'à mettre celle-ci. Donc maintenant on va venir positionner le dernier morceau. On va venir juste ici.
comme ceci. Ça n'a pas l'air mal. Et ben on va le retourner pour pouvoir mettre les vis. Donc voilà, ça y est, j'ai retourné comme il fallait. Et donc on a une vis ici, une ici, une ici, là. On va en avoir une là, là. Et on a l'air d'être bon. Ok, donc ça en fait une, deux, trois, quatre, cinq. On en a six à mettre. Et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà donc le résultat. Alors, prochaine étape. On va venir s'occuper des deux panneaux pour cacher les trains d'atterrissage. Donc c'était ces deux pièces là. Alors je vais vous montrer dans le fascicule. Apparemment il est possible que certaines plaques soient un petit peu déformées. Alors ils nous disent de les chauffer un petit peu pour les redresser. Alors moi je vais regarder si cette opération sera nécessaire ou pas. Alors pour vous repérer, là on a nos deux panneaux, vous avez ces formes ici. Quand le vaisseau est orienté comme ceci, les dessins là sont orientés vers le bas. Celui-ci il va aller à droite, donc celui-ci l'autre côté. Moi j'ai pas l'impression que j'ai de problème. Et ben on va pouvoir passer à la suite. Alors pour la prochaine étape, du coup, j'ai récupéré les deux panneaux et on va venir donc à l'intérieur coller les aimants. Donc ce sera ces petits aimants là. Et voilà qui est fait. Mais écoutez, on va faire la même chose pour ce panneau là. Je vais faire ça hors caméra et on se retrouve juste après. Et voilà qui est fait, ça y est, les deux panneaux ont leurs aimants. Et ben, pendant que ça sèche, on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant, prochaine étape, on va venir placer de chaque côté, maintenant qu'on a collé les aimants, et ben on va venir placer les petites tiges. Alors du coup on peut voir qu'on en aura 1, 2, 3, 4 à mettre de chaque côté. Et voilà qui est fait. Et bien maintenant, on va faire exactement la même chose de ce côté-là. Et voilà qui est fait. Alors, prochaine étape, on va commencer du coup maintenant à détailler la structure donc de la coque. On va avoir besoin de cette pièce. Ensuite, on utilisera cette pièce-là. Et on utilisera ce panneau. Alors, cette pièce-là, on va venir la positionner ici. On fait un petit check avant. Bon, tout a l'air de bien s'emboîter. Et ben on va fixer tout ça avec un petit peu de colle. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir se situer ici. On va prendre donc cette pièce. Donc même chose, on vérifie que tout se place sans problème. Je sens que ça devrait pas poser de soucis. Et ben même chose, on va fixer tout ça avec un peu de colle. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, juste à la suite, on va venir placer ce panneau donc juste ici. Donc même chose, on vient tester. Je pense que ça devrait le faire.
pas besoin de réagrandir les trous au cas où. Ça a l'air de bien se placer ici. Ouais, ça va venir se positionner tout seul. Et bien, même chose, un petit peu de colle pour fixer tout ça. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Bon, juste avant de passer à la suite, on va pouvoir mettre repositionner les panneaux. Donc celui-ci, il va aller là. Alors, on va voir ça. Impeccable. Et on va placer le deuxième. Toujours point de repère, les petits rectangles ici vers le bas. Nickel. Alors dans cette étape, on va avoir besoin de ces pièces qu'on avait mis de côté. On aura également besoin de cette pièce-ci. Et on aura besoin de ces pièces également. Alors, on va se situer côté gauche ici. Et on va commencer par venir placer cette pièce-là. Donc le point de repère, le petit carré à droite, cette partie-là aussi, juste après. Et on va venir le positionner. Toujours faire un test à blanc avant pour être sûr que tout s'emboîte bien. Voilà. C'est nickel. Et bien, même chose, un petit peu de colle pour maintenir tout ça. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, juste après, on va venir placer cette pièce-là. Donc elle va venir juste à la suite. Donc même chose, on vérifie l'emboîtement avant de coller. Ça s'emboîte parfaitement. Et bien écoutez, même chose, un petit peu de colle et on passera à la suite. Et voilà qui est fait. Alors du coup maintenant, étape suivante, on va venir placer la deuxième partie. Donc, même chose, on vient vérifier. De se positionner sans aucun problème, et ben même chose, un petit peu de colle et on se retrouve juste après. Et voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va venir ici et on va venir placer cette pièce là. Alors à l'intérieur on a deux rectangles et moi je vais mettre, je vais montrer, hop, le rectangle comme ceci, vous voyez. Il faut que le haut de la, quand vous regardez un rectangle comme ça, on va dire le haut du rectangle vienne prendre appui sur à l'intérieur de cette espèce de creux. Voilà. Et là, on est bon. Et bien écoutez, même chose, un petit peu de colle. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et bien maintenant, on va faire exactement la même chose de ce côté-là. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et voilà du coup les amis, arrivé au numéro 47. Ce que ça donne. Je vous remontre les détails à l'arrière. Commence à être compliqué de tout faire rentrer dans le cadre. Il est énorme, regardez-moi ça. Par rapport à la main. Énorme. Et ce sera donc tout pour ce numéro 47. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces trois numéros. Donc voilà, je vous montre le résultat que l'on obtient. Regardez-moi ça. Elle est énorme cette maquette. Je me rapproche, j'ai mis provisoirement donc les deux petites niches ici. Voilà, fallait pas le faire, mais je voulais vous montrer quand même ce que ça va donner. Et donc voilà, arrivé à ce numéro 47. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien, soutenir la chaîne. Et vous pourrez par exemple voir les vidéos en avant-première.
Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïr. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !